toute la semaine, c'est Fabrice Derigui, le chef de la Maison de Lavelines à Bande-Lavelines qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc on est parti sur une... Alors je sais pas comment tu peux appeler ça, quoi. Une petite tartelette fine, voilà, avec ça. Un tartare de Saint-Jacques, courgettes, radis et puis on aura également des petits œufs, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est un petit mélange entre du croquant, du fondant. C'est des œufs de hareng. D'accord. Là, voilà. On met un tout petit peu de poivre, de cassis, histoire d'avoir un petit plus, quoi. Et donc, on aura une bavaroise de chou-fleur vanillée. Bavaroise chou-fleur. Donc, vraiment, un petit amuse-bouche, voilà. Des petites choses pour l'apéritif un peu légère et fraîche, quoi. Exactement. Hein, c'est l'idée et le principe. Qu'est-ce que tu fais, là, Fabrice? Donc, on va construire les fonds de tartelettes. Mm-hmm. Donc, là, on a une pâte à filo qu'on d'accord. va monter en 3, 4 étages. Pour donner de l'épaisseur. Voilà. Entre, je mets un petit peu de baie de cassis. Oui. Comme un pois, mais on ne peut pas appeler ça vraiment un pois, puisque c'est plus une baie. Et donc, tu mets un petit peu de matière grasse. Voilà, c'est ça. On met un petit peu de matière grasse pour coller l'ensemble, oui. Et puis pour avoir une cuisson qui va être dorée et uniforme. Mm-hmm. Oui, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de gourmand avec une belle pâte toute dorée, quoi. Bien croquante, puisqu'on aura du fondant. Donc, Alors, toi, tu es parti sur de la pâte à filo que tu montes, mais on peut prendre une feuille de brique classique, ça, il n'y a pas de souci. On peut prendre une feuille de brique, on peut prendre un feuilletage, on peut prendre ce qu'on veut. Après, c'est une histoire de croquant. Voilà, de croquant. Et peut-être que la pâte filo, par contre, et la feuille de brique, mais surtout la pâte filo, seront beaucoup plus fines que de la pâte feuilletée, qui sera tout de suite plus lourde. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, dans un repas, l'avantage, c'est que là, on n'est que sur la muse-bouche. Enfin, c'est vraiment croustillant. Vraiment, là, on aura vraiment le feuilletage du croustillant. Et c'est vrai que c'est plus abordé, c'est mieux pour cette recette-là. Donc là, tu les as cerclés. Là, ils sont cerclés pour avoir la forme qu'on veut. D'accord. Après, on va tout simplement disposer au milieu. Oui. Donc là, c'est pour leur donner une forme. Voilà, on aura la forme après tartelette. Ah, et t'en mets deux, d'accord. Hop, comme ça, on aura une forme comme super. Ceci. Super. Et donc ensuite, tu vas les enfourner. Après, on enfourne ça. À combien, pendant combien de temps? Alors, 180, entre 7-8 minutes, ça dépend d'accord. des fours. Et ça donne, t'en avais un de près. Ouais. Après, on aura ce petit modèle là. D'accord, super. Et voilà, ça donne ça. Et donc, on est en plus sur un vrai format mise en bouche, apéritif, c'est sympa. Ouais. Donc là, on fait notre petit tartare. Voilà, tout simple. Alors, donc avec de la Saint-Jacques, sens. Tu vas couper dans un sens et après dans l'autre. Dans l'autre. Bon, l'idée, c'est de couper, mais d'avoir quand même de la mâche. Il ne faut pas que ça soit de la bouillie. Ouais. Hein. Il faut des petits visuellement que ça soit joli par rapport à la courgette aussi qui est taillée. D'accord. Il faut un tout petit peu de mâche et puis... Là, on est parti sur de la Saint-Jacques, mais c'est pareil, on peut partir sur du poisson. On peut partir sur une dorade, un genre de ceviche, on peut partir, tout ce qui est cru. Hein, oui. Après, cru. Ou mi-cuit, hein, après un thon, quand ça va être la saison, on peut partir sur les... Après, l'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose qui est vraiment une note fraîche. Ouais, c'est ça. Après, la Saint-Jacques se prête bien aussi à ça. L'avantage, c'est qu'en termes de texture, je trouve que le tartare, il se tient, quoi. C'est ça. Et puis, elle est, je dirais pas assez neutre, mais elle est pas non plus... Elle n'embarque pas le produit, quoi. Non. Le plat, il sera... D'ailleurs, puis en plus de ça, ce qui va vraiment pulser le plat, là, c'est quoi? En fait, c'est un peu le mélange. Là, on va mettre une huile d'olive, déjà, extra vierge. Ouais, une bonne huile d'olive. Voilà. Alors là, à l'intérieur, on a fait infuser des grains de vanille. Oui. Ah, donc on aura ce petit goût de vanille. On aura ce petit goût de vanille qui va rappeler le grain de vanille qu'on a mis aussi dans la bavaroise de chou-fleur. Donc, on met dans le cul de poule. Voilà. Et donc, tu rajoutes... Tout autant, à peu près, deux, trois. La courgette que tu as coupée en brunoise. Oups, on mélange bien. Mm-hmm. Une petite, tac. Là, on va. Donc là, tu assaisonnes. Assaisonner, tac. Un coup de moulin à poivre. Poivre. Ensuite, on va mettre la vanille. D'accord. Donc tu as ta petite huile d'olive vanillée. Là, t'en mets pas mal. Là, on a quelque chose. Voilà. On est pas mal. Bon, voilà. Là, on va faire le petit montage. Oui. Tout simple. D'accord. Hop. Donc, tes petites bases. La petite base. On va commencer par la bavaroise. D'accord. Donc, la bavaroise, tu l'as faite comment? Alors, la bavaroise, tout simplement, c'est une pulpe. Donc, c'est du chou-fleur. Oui. Bien cuit. Oui. Mixé finement. D'accord. Ensuite, on incorpore quasiment temps pour temps en crème fouettée. Mm-hmm. À laquelle on aura fait infuser de la vanille. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on voit les petits points. Voilà. Donc, ça va être ton support de base. Voilà, c'est ça. On aura. La fraîcheur du chou-fleur. Oui. Et ensuite. Ensuite.
On est bien. Tu dresses donc ton tartare. Un petit mélange homogène. Mmh. Hop. Ouais, donc on essaye de mettre pas mal. Les petites décos. Oui. On est sur le printemps. Ouais, donc, petite fraîcheur printanière, ouais. Le radis, tuiles en pâte morte, corail, les petits œufs. Hop, pareil, qui vont apporter la petite note iodée. Oui, voilà. Hop. Tout ça. Et pour finir, bah, la petite touche, la vénécresse, la petite couleur. Oui, petit côté végétal. Petite verdure, voilà, tout à fait. Eh bien, super, on va goûter. Voilà, voilà, on y va. On prend d'une bouchée. Ouais, enfin, une bouchée, vaut mieux. La philo, c'est vraiment un feuilletage qui est très très fin. Enfin, un feuilletage, on peut pas appeler ça un feuilletage, mais. Oui, oui, c'est ça. Exactement. En fait, on a plusieurs couches, ça fait. On a la gourmandise quand même du feuilletage, mais pas le côté très lourd. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est très très bon, c'est que ce que tu disais, le chou-fleur, habituellement, c'est assez puissant. Ouais. Là, il est très adouci par la vanille, par la crème. Ce qui ressort énormément, c'est cette huile d'olive. Qui est juste extraordinaire et qui parfume l'ensemble, voilà, ça matche bien. Il n'y a pas besoin de mettre de vinaigrette. C'est très bon, c'est frais, c'est gourmand. Enfin voilà, moi j'ai, c'est tout ce que j'aime quoi. Ça va, parfait. Bon. Ensuite, on fait quoi? On va faire une entrée? Alors on part sur une ballotine de dorade, ravioles et crevisses, donc avec de la ricotta, et puis une petite sauce tandoori et estragon.